still spend. No, 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 no. Well, here it is, my last defense. No, 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 no. The promises I never kept. You break the surface, take the lead. No, 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 nothing left for me to breathe. No, no, out of the blue you came to me. No, 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 I can't believe it.
Ce match qui nous donne l'occasion de commenter un huitième de finale de Coupe Nationale, Franck. Ouais, cette compétition qui a commencé depuis bien longtemps, mais les choses deviennent sérieuses maintenant. Il n'y a déjà plus que 16 équipes en lice. Au programme, la confrontation entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Match, tout le monde parlait de l'arrivée de Luis Suarez. C'était la volonté de l'entraîneur de le recruter. Il voulait bien évidemment donner plus de mordant à son attaque. Paris Saint-Germain, une formation qui lors de son dernier match a signé une bonne performance sur sa pelouse en s'imposant contre Rennes. Oui, Hervé, une victoire 3-0, ce qui me fait dire que les joueurs sont en confiance et qu'ils ont toutes les cartes en main pour enregistrer une nouvelle victoire dans ce match. Kevin Trapp, un autre joueur qui fait ses débuts dans cette équipe. Il est très attendu par les supporters, je peux vous le dire. Le PSG qui joue quasiment à guichet fermé à chaque match désormais. Oui, les résultats expliquent aussi cela. Avec comme arbitre Monsieur Jean Rabaut. Voilà, c'est parti. Et premier ballon dans les pieds du Paris Saint-Germain. Cavani. Et à devoir protéger son ballon. Luis Suarez. Et ce sera son problème pour le gardien. Ah, il a bien anticipé. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Alors vous qui êtes tout près du joueur, vous pouvez nous en dire plus sur sa blessure. Attention ! Oh, qu'il allait vite ce ballon, mais le gardien était bien là. Corner, attention, attention à ses coups de pied arrêtés. Oh, le gardien qui repousse, attention ! Le contrôle, le contrôle. C'est une position de hors-jeu finalement signalée par l'arbitre. Et quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Dans cette équipe qui va jouer sans Kun Agüero, c'est maintenant ça. Et le joueur argentin sera très regretté, mais il a fait un choix de carrière. Luis Suarez. Christopher Gambard. Onyangé. Diego. Le beau duel pour la récupération du ballon. Luis Suarez. Ça s'approche. Un tacle très propre. Une belle interception. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire d'Olivier et de Stéphane. Bon anniversaire, messieurs. Oh, c'est bien parti. Alors qu'il a su se créer une belle occasion. Il a pu marquer avec sa première titularisation en match officiel. C'est tout de même encourageant. Derrière Fortes. Oh, cette fois-ci, il part en contre. Oh, c'est parti. Nouveau joueur et début réussi, hein, mon cher Franck. Et premier match et premier but. Ah, ça va plaire aux supporters et au staff. Un but somme toute logique, Franck. Hein. Sur le papier, cette équipe est déjà plus forte, mais elle a pris le match par le bon bout et ça finit par payer. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Mohamed Fofana.
Hein, c'est Iniesta qui est à la récupération. Il y avait de l'idée, mais ça n'a pas abouti. Un long ballon, loin devant. Cavani. Oh, l'assistant qui se manifeste, c'est un hors-jeu. Le Suarez. Oh, le PSG qui obtient un coup franc suite à cette faute. On revoit ce but une nouvelle fois. Ballon bien négocié par le gardien. Attention à cette perte de balle au milieu. Elle se dispute le contrôle du ballon. Iniesta. Par le ce joueur qui débute très bien. Ah, je crois qu'il a fini de prendre ses marques. Il peut aller loin. Quel exploit sur cette frappe. Le pied d'appui bien placé au moment de la frappe, c'est superbe. Il y a beaucoup de conviction dans la frappe. Il a traversé le ballon, comme on dit. L'essentiel était aussi de ne pas trop se mettre en